Alors aujourd'hui, je suis actuellement sur une Renault Twingo de 2014. Hein? Alors, je vais ouvrir le capot, mais là, sur la nouvelle Renault Twingo, ils ont mis la prise OBD à la place de la tirette du capot. Bon, alors donc tu vas, comme sur les Ford, tu vas chercher l'ouverture de capot. Alors, tu te dis, comment tu vas? Comment tu ouvres ça? Alors, ils ont compris le truc. Hop. Il faut ouvrir, mettre le petit doigt là, tirer là. Hein, vous avez vu? Hein? On met la clé là. Voilà, comme ça, hein? Et vous tournez d'un quart de tour, ensuite vous appuyez. Ah non, faut pas appuyer, faut tirer. Voilà, comme ça. Mais, ah, bah ça ne s'ouvre toujours pas. Bah oui, c'est normal, parce qu'il faut faire l'autre côté aussi. Hein? Vous avez vu? Vous appuyez et vous tirez, comme ça. Comme ça, le capot, il arrive. Hein? Voilà, alors, comme ça, vous ouvrez. Hein? Et là, comme ça, voilà. Voilà, vous ouvrez le capot. Et franchement, l'ingénieur de chez Renault, tu dors un peu la nuit ou tu restes toute la journée? Parce que là, je ne sais pas où le mettre ton capot là.